mesdames et messieurs, tous nos vœux pour la nouvelle année, et vous voyez, on commence fort cette année avec le Café Baroque. Je vous dirai très peu de choses sur ce qu'on va faire, on vous en parlera. Après, on commence tout de suite par la musique. Vous comprendrez que ma tenue est un hommage à Jacques Le Fou, évidemment. On n'entend rien, mais c'est pas grave parce que maintenant, vous allez entendre. Thank you.
mon premier album. Et qu'on a... À l'origine, en fait, j'avais enregistré en utilisant un piano préparé. Donc j'avais... j'avais utilisé un piano préparé et le son en fait, est vraiment assez proche du clavecin, et là je trouvais ça vachement intéressant de jouer au clavecin. Et puis Bruno s'est joué un livre hier de manière impromptue et super bien. Alors juste pour dire que c'était l'idée dans le cadre de ces cafés baroques au Trinitaire, qui est quand même un lieu de la musique pop, rock, électro. Et nous sommes ici au Trinitaire pour la quatrième fois, dans la quatrième année. Et si vous étiez là pour le tout premier café baroque de la saison, donc celui du mois d'octobre, j'ai joué une... Alors je me mets là. J'ai joué une pièce contemporaine pour le clavecin, et on avait envie de voir un peu ce qui se passe avec la musique d'aujourd'hui et des instruments anciens. Et c'est une chose qui a vraiment du sens. Alors, on a commencé effectivement avec cette pièce, avec cet arrangement d'un des titres de Louis, de son premier album, parce que de toute façon, il avait quelque part aussi l'idée du clavecin dans le son de cet album-là. Voilà, ça c'est la traduction de ce que j'ai essayé de dire. Et comme petit clin d'œil, c'est Jean-Baptiste qui va venir jouer cette fois-ci de la musique ancienne, mais parce que c'est un grand de Henry Purcell, et c'est le genre de musique qui a été énormément reprise, en particulier par Paul McCartney par exemple. Donc c'est de la musique répétitive qui est très très proche des standards, de la musique électro. Oui, maintenant je manque de vocabulaire. Normalement, il faut toujours qu'on ait un traducteur entre nous, parce que souvent on n'utilise pas le même vocabulaire. Donc Jean-Baptiste, je ne sais pas où il est. Il est déjà là, voilà. Parce qu'après, on va reprendre un des standards de la musique ancienne avec un arrangement. Vous allez voir, on mélange un peu... tous les genres, et tout ça pour nous ça a du sens parce que c'est très proche de certaines écritures de musique baroque. Donc voilà un peu, par exemple, un standard du XVIIe siècle sur lequel on pourrait ensuite travailler la semaine prochaine ou demain si on voulait, avec les mêmes genres. Thank you.
faire ça en conservatoire. En général, tous les cafés baroques, vous avez peut-être remarqué si vous y étiez déjà là, il y a un des étudiants du conservatoire, un des élèves du conservatoire qui vient jouer aussi. C'est toujours un cadeau. Et maintenant, donc dans cette idée, ce ground de Purcell, c'était une ligne de basse répétitive tout au long du morceau. Et nous allons faire une chaconne maintenant. Donc une chaconne, c'est juste sur ces quatre notes de basse. Voilà, que je vais répéter et jouer en boucle. Donc c'est l'explication, j'ai pas de partition, mais j'ai ça sur mon pupitre. Et je peux jouer grâce à ça avec moi-même. Et Louis en profite pour pervertir ce que je vais faire. Non, enjoliver, disons transcender. Alors, ça va être merveilleux. Thank you.
improviser sur une chaconne magnifiée par Louis. Et maintenant, c'est lui qui va improviser avec le clavecin, magnifié par un joystick. Par ici, voilà. Thank you.
auteur à succès. Qu'est-ce qui l'intéressait dans le clavecin, évidemment, puisque c'est mon instrument? Pas le succès. Non, mais je trouve que... Bon, bah déjà, moi, j'ai... Je suis un ancien élève d'Anne-Catherine, donc je connais un petit peu. Et là où c'était intéressant, c'était aussi d'essayer de croiser un peu mes pratiques que j'utilise plus en musique électronique, à savoir le fait d'enregistrer des boucles, que je fais d'habitude plutôt avec des synthétiseurs ou avec du violon, de voir ce qu'il était possible de faire avec un clavecin. Parce que voilà, c'est cette idée de la démultiplication, c'est quelque chose qui est intéressant, et quel que soit l'instrument, finalement, c'est quelque chose qui peut amener à des découvertes intéressantes. Et le clavecin a quelque chose d'hyper direct dans le sens où on a le mécanisme devant les yeux, on sent tout, c'est pas comme un... contrairement au piano, parce que forcément il y a toujours une comparaison, où il y a pour moi une notion hyper abstraite entre ce qui se passe entre la touche et le son qui est produit. Il y a tout un mécanisme qui rend le truc vachement abstrait. Et ce qui est intéressant avec le clavecin d'un point de vue électroacoustique, c'est justement que tout le mécanisme de production du son est devant nos yeux et qu'on peut vachement facilement mettre les mains dedans. Et puis, cette table de résonance super grande et un terrain de jeu électroacoustique très intéressant, parce que c'est un espace, c'est un espace là-dedans, en plus quand on ferme le couvercle, il y a vraiment un espèce de monde sonore qui est enfermé là-dedans, et je trouve ça très intéressant de voir comment on peut reprendre ce son-là, ce qui est techniquement un peu compliqué, surtout quand on prend des boucles, parce que... Il faut éviter que quand on enregistre une boucle, on reprenne vachement le son direct. Donc c'est pour ça que c'est un micro contact à l'intérieur qui nécessite un peu de bricolage et surtout pas mal d'essais parce que c'est un terrain qui est un peu inexploré. Et voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est justement un terrain inexploré. Comment placer un micro, quel type de micro utiliser. Voilà, je trouve ça très intéressant. Puis c'est un instrument qui est résonnant, qui est... Voilà. Alors, pour rebondir sur cette idée d'essai, c'est parce qu'on a... Là, en fait, on est un peu... C'est un work in progress aujourd'hui. On a un vrai projet. C'est de monter un concert, enfin, avec toujours cette idée de café baroque, mais cette fois-ci c'est une commande de Moselle Art Vivant, et donc ça va être tout un concert, donc avec Chapelier et avec moi avec le clavecin, et donc nous avons commencé de faire des premiers essais fin 2014, et puis ce café baroque c'était pour partager avec vous, voilà où on en est, voilà ce qu'on a déjà réussi à faire. C'est vrai que le problème de la technique a pris beaucoup de temps quand même, il fallait... Pour moi vachement. Ouais. Et pour moi j'ai eu des surprises aussi, aujourd'hui il y avait des trucs qui étaient cassés sur le clavecin, il fallait essayer de réparer, voilà. Donc on est tous les deux, on passe beaucoup d'heures à essayer de résoudre les problèmes techniques parce qu'on avance dans un terrain qui n'a jamais... J'ai essayé de trouver des clavecinistes qui avaient une expérience dans ce domaine-là, mais il n'y en avait aucun. J'ai contacté vraiment beaucoup de monde de manière internationale. Donc voilà, on est peut-être un peu précurseur dans ce domaine, et ça veut dire que ça, c'est beaucoup de temps de préparation, mais c'est plutôt un terrain intéressant. Voilà. Et donc vous revenez nous voir au mois de juin. On n'a pas encore de date, mais ça va venir. Et on fait encore une chacun cette fois-ci à trois. Et ne partez pas après la chacun parce qu'on a des choses à vous annoncer aussi.
Bien. Mesdames, messieurs, merci pour votre présence pour un premier café baroque de l'année. On est comblé par la quantité, la qualité de public. Vous êtes fort nombreux de venus. Catherine Jacquin est la présidente de l'association Le Concert Lorrain. Donc il y a des anciens qu'on retrouve régulièrement, puis il y a des nouvelles têtes, ce qui fait toujours plaisir, et qu'on espère les fidéliser. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que, vous allez dire, elle nous raconte toujours la même chose. Nous avons des bulletins d'adhésion. Vous pouvez adhérer à l'association Concert Lorrain, c'est une façon de nous soutenir, qui nous fera plaisir. Donc, les bulletins sont là-bas, si vous en souhaitez en prendre un. Ça n'engage à rien, mais ça nous soutient et ça nous aide quand même un petit peu. Deuxième chose, vous avez eu un petit papier sur votre siège, vous annonçant pour le mois de février un brunch baroque. Alors, un brunch, je ne sais pas ce que si vous savez ce que c'est. C'est un petit truc qu'on mange entre midi, entre 11h et 13h en général. Hein, et ce brunch baroque, ça veut dire que ce sera un brunch musical, puisqu'il est organisé par le Concert Lorrain, conjointement avec le Secours Populaire de la Moselle. Le Secours Populaire, c'est une association humanitaire, caritative, qui œuvre en Moselle et dans toute la France, parce que nous on est en Moselle, à Metz aussi bien sûr, et qui fête cette année ses 70 ans. Donc pour ses 70 ans, elle a sollicité un certain nombre d'intervenants de toute nature, aussi bien dans le monde d'entreprise, dans le monde sportif, dans le monde commercial, dans le monde associatif et dans le monde de la culture aussi, bien évidemment. Et le Concert Lorrain, j'en remercie Stéphane et Anne-Catherine, ont répondu présent. Ils sont prêts à nous aider le Secours Populaire, dont je fais partie, hein, donc je dis nous, à aider le Secours Populaire en organisant un brunch baroque. Alors ce brunch baroque, il aura lieu le 1er février, c'est un dimanche, à partir de 11h, donc de 11h à 13h en fait. Hein, donc ce sera à la fois de la musique et vous aurez un brunch à manger, qui sera préparé par le Secours Populaire. On vous expliquera ce qu'est le Secours Populaire, on en discutera musique aussi bien évidemment, donc ça sera sous une forme très conviviale, comme on a l'habitude de le faire au Concert Lorrain, hein, et les bénéfices seront reversés intégralement au Secours Populaire, puisque le but est quand même d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer ses actions. Alors le brunch, ça serait un peu mieux que l'idée qu'on se fait de la soupe populaire quand même. Ce sera pas la soupe populaire. Mais ce ne sera pas non plus du caviar et du foie gras. Non. Ce sera entre les deux. Donc ce sera musique et brunch en même temps le 1er février. Et cette formule du brunch est une nouvelle formule qu'on souhaite expérimenter avec un café, parce que les cafés baroques ont pris de l'âge, j'allais dire, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, et on souhaite évoluer et changer la formule et faire autre chose. Donc on se dit, pourquoi pas transformer les cafés baroques en brunch baroque. Donc on va expérimenter ça le 1er février. Donc il n'y aura pas de café baroque au mois de février, ça va remplacer le café baroque. Et vous êtes bien sûr tous cordialement invité à venir à ce brunch baroque, qui sera donc une grande première.